Tokoke kosuka na motoba. Nous pouvons nous arrêter jusqu'au sixième. Emoniseri mokapo mwa misatu. Et Apocalypse chapitre 3. Zila yabotangi zomina mokope zomina mibale. Versets 11 et 12. Tokotanga. Nous allons lire. Approchez-vous de lui. Bobé les mains et panaye. Pierre vivante. Libangango na bomoi. Rejeté par les hommes. Oyo et boakami et pas abato. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Parce que ponami pe ya talo monene liboso na nzambe. Et vous-même. Bino moko. Vous au pluriel. Bino moko. Et vous-même. Bino moko. Comme des pierres vivantes. Lokola bama banga na bomoi. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Bo mitonga po na kosala ndako moko molimo. Un saint sacerdoce. Bonganga ya bosanto. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Pona ite kokaba bambeka molimo. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Oui, qu'on s'appelle sans zambé, na nzela ya Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture. Zambé l'obami na katia likomiango. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Talani na tche na siona ibanga yoko ya moboko. Choisi précieux. Oui, ponami pe ya talo enene. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Peyenani a kondima katnango a koksa masonite. Apocalypse 3 verset 11 et 12. Apocalypse chapitre 3 verset 11 et 12. Je viens bientôt. Nazoya kalamingite. Retiens ce que tu as. Yo simba oyo ozui. Afin que personne ne prenne ta couronne. Pote moto mokote akokana kozwa motole nayo. Celui qui vainca. Yenanya kolonga. Je ferai de lui une colonne. Nakosana na ye likondi yoko. Dans le temple de mon Dieu. Nakati na tempelo ya nzambe na ngai. Et il n'en sortira plus. Pe akobima lisusu te uta tempelo ina. Amen. Amen. Oyoana ezali tangi ya liloba ya Nzambe. Cela est la lecture de la parole de Dieu. Lokola tolobake tokobondela. Comme nous avons dit de prier. De mercredi. Uta mokolo ya mercredi. De pendant de mercredi. Na ba mercredi mibale. Ya dernier du mois, na premier du mois. Il y a dernier du mois, na premier du mois. Nantina, il y a un koloye mei aingi sabiso kat na tempelo na ye. En ce qui concerne ce que le Seigneur lui-même nous introduise dans son temple, atonga biso wana. Qu'il nous y édifie. Nakatia tempelo na ye. Dans son temple, lui. Motongi eza ye moko. Les constructeurs, c'est lui-même. Motomosusu akokoti sayote. Nul autre ne peut t'y introduire. Yo moko est difficile pe omikoti sa. Il était également difficile que tu t'introduises toi-même. Atako tolo tutangi édifiez-vous. Même si nous avons lu édifiez-vous. Construisez-vous. Omitonga. Bâtissez-vous vous-même. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui nous construit. Il faut topper ses possibilités. Il faut que nous lui accordons la possibilité. Par la foi, Asimba biso pe akotisa biso. Qu'il nous tienne et nous introduise. Et la Bible dit, les Bibles, Jésus lui-même. Yesu yemoko. Il était la pierre vivante. Et la pierre angulaire. Rejetée par les hommes.
ils construisaient. Donc les bâtisseurs, Batongi. Batongi, les bâtisseurs l'ont rejeté, cette pierre-là. Alors que cette pierre a été choisie par Dieu. Elle est précieuse. Devant son lecteur. Et nous, de même que lui, des pierres vivantes. Tu ne peux pas entrer là-bas si tu es une pierre morte. Il faut que toi-même sois la pierre vivante. Que nous nous édifions nous-mêmes sur lui. Sur ces fondements-là. Sur la pierre du fondement de la vie. Voyez-vous? Pierre angulaire vivante. Ibanga ya moboko na bomoi. Et yo pe lokola libanga ya bomoi. Et toi également comme la pierre Tonga vivante. Tonga mande likolo wana. Édifie-toi sur cette pierre là. Et tant que moko na moko na biso tonga mi likolo ya libanga ngo ya bomoi. Et lorsque chacun d'entre nous est édifié sur cette pierre vivante. Ye moko pe. Lui était la pierre vivante et toi et moi de pierre vivante. Nous formerons la maison de Dieu spirituel. Le temple de Dieu spirituel. Où Dieu viendra habiter. Il faut que tu sois l'une de pierre. Si tu n'es pas une pierre, tu ne seras pas édifié là. Sur ces fondements-là, ne sont ajustés que des pierres vivantes. On n'ajuste pas des arbres, des bois, non, pas de feuilles. Non. Tu ne trouveras pas des chaumes. Ma planche était. Tu ne trouveras pas de planches. Non. C'est une pierre qui est construite de pierres et de pierres. Et ce qu'on dit, madame, on n'a même pas besoin de métaux. Si vous observez très bien, on n'a même pas besoin de métaux. Hein. C'est-à-dire ma bende. C'est-à-dire des fers. C'est seulement pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Et ces pierres, partant celle du fondement, la pierre angulaire, elle-même, c'est la pierre vivante. Et de pierre qui s'édifie sur lui, c'est seulement de pierre vivante. Et le Dieu vivant, il entrera dans sa maison vivante qui bouge, qui peut se déplacer. Et Dieu sera là. J'habiterai. Et je marcherai parmi vous. Parce que vous êtes une maison vivante. Parce que vous êtes une maison vivante. Dieu vivant. Et dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Comme nous l'avons entendu la semaine passée, Maranatha. Je viens bientôt. Et lui réplique, je viens bientôt. Il nous répond. Alors, il y en a un abysso. J'attendais comment vous. Seigneur Jésus, viens. Donc, Seigneur, viens. Alors, Bongo. Je viens bientôt. Il nous conseille alors. Retiens ce que tu as. Yo Simba ou Yosui. Qu'est-ce que tu as? Yosui. Il faut le retenir. Simbango.
si tu as la parole, soko zili loba, a dit le Seigneur, oleba ki nkolo ango, celui qui a mes commandements, ye onani azumi beko nangai, et qui les garde, peyaza kopate lango, c'est celui qui m'aime, ye onani akolinga kanga, celui qui a ma parole, ye onani azui liloba nangai, et qui la garde, peyaza kopate lango, c'est celui-là qui m'aime, ye onani akolinga kanga, et il dit retiens ce que tu as. Si tu as la parole, il faut la tenir ferme et la retenir. Tenir, retenir. Il ne faut pas la lâcher. Non, la tenir fermement. Pourquoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que tu as une couronne. Eza récompense. C'est une récompense. On te l'accordera, tu seras couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Vous voyez. Moni. Mais maintenant, c'est quoi? Pour que tu sois couronné, alors il faut retenir le Simba. Ce que tu as. Yango yozui. Sinon, Pambate. Quelque d'autre Tomosusu. A kukua motole na yo. Il prendra ta couronne. Et zoya pwe bak mena mutu na yo. Cela vient pour être déposé sur ta tête. Et avec ta tête. Et tombe sur la tête d'un autre. Tu cherches la couronne, elle est déjà passée. L'autre l'a eu. L'a pris. Voyez-vous? C'est très important. Mais celui qui vaincra. Le vainqueur. Pas ceux qui vaincront. La victoire est individuelle. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. Une colonne. Où? Dans le temple de mon Dieu. Et vous êtes le temple de Dieu. Et vous allez temple de Dieu. Et le Seigneur Jésus Pencoleso te promet de faire de toi une colonne dans ce temple-là de son Dieu qui est Ecclesia. Amen. Et il dit et t'as déjà là et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Ce qui a sali au colonne, moko. Après, t'as fait une colonne dans le temple de son père. Aussi au côté de tempero, étant déjà dans le temple, tu n'en sortiras plus. C'est impossible. Igo salamate. Quelle promesse. Et la ka ninyoyo. Amen. Isa bongo. Donc, le temple même de Dieu. Tempe. Sans toi, il y a un manquement. Parce que tu es une colonne. Parce que yo ozali likondi yoko. Prédestiné à être colonne. Yo obongisama uta yambo kozala likondi yoko. Alors, mais ceux qui n'ont nos quantités, si c'est pas ton inclus, le temple d'Ango est incomplet. Disons, le temple est encore incomplet. Il faut que toi tu sois entré. Je ferai de lui. C'est le Seigneur qui fera de nous. Colonne. Dans le temple de son père. Nakati a temple, y a tatanaye. Le temple de son père, c'est nous. Temple d'Ango tatanaye de biso. C'est l'église et c'est l'assemblée. C'est l'église, y'a koyangana. De premier né. Et il n'en sortira plus. Point plus question, Yakobi Marisus. Soko, mon côté. Adjonga na mission. Il est entré, il est retourné au protestant. Il n'en sortira plus. Il est rentré dans le monde. Il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Point.
La maison peut s'écrouler. Et coquille qu'on s'incline et comme une pente. Et pas avoir une pente. C'est possible. C'est impossible que tu sortes de là. Parce qu'on a colonne. Parce que tu as une colonne. Et pour finir, ça, l'église elle-même. Les angomes encore. C'est la maison de Dieu. Et ça, d'accord, on a Zambé. La pluie. Et la colonne. Il contient encore. De la vérité. Il y a Bosolo encore. L'église, Ecclesia. C'est la pluie, et la colonne de la vérité. Zambé apambolango. Que Dieu bénisse cela. Tobonde la bisobanso. Prions tous. Nasuka ya libonde lito kubianga motei. Et à la fin de la prière, nous appellerons le prédicateur. Tokobonde la en rapport ya asala biso likonji moko katina tempelo ya tata na ye. Nous allons prier sur les sujets qu'il fasse de nous une colonne dans la maison de son père. Seigneur, fais de moi une colonne dans le temple de, son, de ton père. Je ne veux pas être dehors. Inclus-moi dans ce temple-là de ton père. Prions. Zalinzambe moko ya solo yonde motongi motongi ya tempelo ya yo ye chalinde yo mei mwana nguna Dawidi apesi na biso iraka ya kusala moko na moko akuka kuchala likonji moko na kati ya tempelo na yo tata yango tozaliawa na kati ya carrière na kati ya assemblée Seigneur mpo otaye biso o fasone ngai o modele ngai mpe par la grâce de Dieu, au Salangai, du Kondji, Mokonakati, à Tempelo, à Tatanayo. Nalongwa na réserve, mais na ingela na kati à Tempelo. Nabake malikru ya Moboko yango. Moboko ya Tempelo, ya Tata, yezalinde yo, Christo. Ibanga ya bileko. Mpe, kolo, salanga ina jala, likonji moko. Brike moko ya bomoi. Libanga moko ya bomoi. Mpe na bakema, ikuru ya moboko ya mo ya bomoi. Yo jesike, nakati ya tempero ya mo. Tatana yo. Tatana yo. Aza tatana biso. Wana ajiba tempero ebelete tempero bele moko hoyo ye ako ingisa mabanga mabanga mabomoi we pe ako sala na moko te ajala dikonji moko na kati ya tempero yako ajali kotondo yo jambe poso kizraki mutu ako kake kopono pono yo yebi boya yo okolokota libanga bobe libanga te yebi kokesenisa okujwaka obele mapanga mabomo mpe mkolo okusala na neporte kite obele mayo yeba liboso yambu ya bocha lisami ya mulongo ayewana nde uzali kusala na bango makunji kati ya tempelo ya tatana ya mwana mkolo yomo oko jambe o mkolo otonga mkolo Yesu otonga yondo lubake na kusala na ye sala pe na ngai sala pe na ndeko ya mobali moko na moko sala pe bongo na ndeko mwasi moko na moko tokoma
Akonji ya tempero ya tata na yo. Tolingi yako, tosepeli. Kojala makonji na kati ya tempero ya tata na yo. Yo, mwana nguna dawi, sala, sala. Na kumbu ya kolo Yesu Kristo, ya mtu zaliko sena. Ose, eza itaka batei, te, te. Ye jaline pona, papuna mipasu. Babianga miboyo, bianga kana likamboyo. Bakusuka pobele, usali na moko likunji. Likunji na kati ya tempero. Mesi. Kuingira na tempero na yo izande ngolu. Mesi. Mesi tata. Wa jute naipe. Wa jute pende kumwasi. Wa jute pende kumubari. Wa jute pende. Seigneur, les diakono moko na moko na kati ya mulungu. Ou ajoutez pe prédicateur moko na moko. Ou ajoutez ma banga na yo. Na kati ya édifice na yo, Seigneur. Na kati ya maison na yo, de pierre vivante. Ma banga ma imasina ko wa, ko kufa. Ma koto wa na te. Rezima yo yebi li banga moko na moko. Koti sa kabiso. Oyebi njete, oyebi libende, oyebi makasa, oyebi matiti, me, yo oku tonganda kunde na mabanga. Mabanga ngu ya bomoi, papa biso taye moko na moko, fasone moko na moko. Pesa biso na nzela ya beli maso na yo, oye jali loba forme, forme o toko okupe, Seigneur. Na kati ya edifice po positionner moko na moko. Merci nkolo esengo beko yebate soko ingeli na kati ya tempero yango oko bima lisusu utawana te na jaliko tondo yopo okene li ne sera perdi ou ne sera séduit. C'est impossible mwaya kubima lisusu uta na tempero. Ijala kate, posibilite wana, izwa makate, okoti, okoti, toloba pour l'éternité. Suwanke mbolo kumupe masanzo lihonza. Sunga, na pukwe ya lelo nkolo, bainano baingelite koti sabango. Tonga bango, nakati ya mpuku yango, nakati ya tempero yango, nakati ya mezo yango. Shake ya zala, une colonne. Une pierre vivante pour banso tout cela et sambiro et vandiro yanzambe na kati elimo et pai wapi onzambe woku ya komimonisa kusala musala koloba koteya pe kutambula katikati na bato. Merci boye ndetu nombi na kumbula kona biso Yesu Kristo. Amen. Toko vandanye. On reste calme. Be toko bianga deko kalele serviteur de Dieu. Non, be le frère kalele serviteur de Dieu. Akoya koyo kisabiso mongongo na nkolo. Kola to sakola kiango. Comme nous l'avons annoncé. Et lelo toko le sama. Et qu'aujourd'hui nous serons nourris par son canal. Nous saluons tous les saints réunis ici ce soir au nom de Jésus-Christ. Napoko yo to pesi basanto banso ba yangani mbote na katakombo en couleur de Christ. C'est que je m'adresse aux pierres vivantes. Naibete nazolobela na mabanga ya na bomoyi. Des pierres édifiées sur l'édifice de Dieu. Mabanga mai matungami na ndako na Nzambe. Pas à ceux du dehors. Ndako alibanda te. Seulement aux pierres vivantes. Kaka na libanga na bomoyi. Ceux qui sont réellement la maison de Dieu. Bayebazali solo solo ndakongo na Nzambe.
Hébreux. Kati na Bible. Au chapitre 1er, au chapitre 3. Oka pour moi misato. Depuis le tout premier verset. Utanzia kwetangina ngoyambo. C'est pourquoi frère saint qui avait part à la vocation céleste. Yango bandeko basantu bino baibo sangami na mbela ngo esi. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Botala ntomampe nganganzambe mokondi yakondi maye tozali ko salela. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi. Yesu ye wazala ki sembo na oya chakie. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Lokwezaka Musa katnanda kona mobimba. Car il a été jugé digne d'une gloire. Zabia a tel samakaza abunga kina nkembo. D'autant supérieure à celle de Moïse. Koleka oyo ya Musa. C'est celui qui a construit une maison. Pe yo ya tonginda komoko. A plus d'honneur que la maison même. Yazui lokumu koleka atakonda kwango. Chaque maison est construite par quelqu'un. Ndako na ndako etongama na moto moko. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Kasi yo ya tonga kibiloko binso nde nzambe. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Le quoi Moïse? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour être à la zengeneke ya maimanso masengela ki komonza mapolele. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Kasi Christo yazali azali angolo kola mwana likona ndako. Et sa maison c'est nous. Pe ndako na yende biso. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Kaka soki to simbi kina suka. La ferme confiance. Kondimango nangui. Et l'espérance dont nous nous glorifions. Benkem po elikia o tozali komu kembo lisanango. Sa maison c'est nous. Ndako na yende biso. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ezali moto mosusu te. Ce ne sont pas les dénominations. Ezali te bayi mangomba. C'est nous qui sommes sa maison. Bison de tojali ndako na ye. Voilà pourquoi nous prions disant. Ngota latina kan tozali ko bonde na koloba ka ete. Construis-moi Seigneur. Tonganga inkolo. Construis-moi. Tonganga yi. Je suis une pierre. Nzali libanga yoko. Prends-moi et place-moi sur ton édifice. Kamatanga yi pe bakamisa ngai na ndako na yo. Joins-moi dans ton édifice. Yingi sangai kat nanda konayo. Là où il y a déjà d'autres pierres vivantes. Et si kawapi bama banga misus na bomoye twami. Construis-moi aussi. Tonganga impero kola. Tu as construit les autres, construis-moi aussi. Otonga kibasusu, tonga pengai. Puisque nous sommes des pierres vivantes selon l'écriture que nous venons de lire d'introduction. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes édifiés pour être la maison spirituelle de Dieu. Et une sainte sacrificature. Peto jala nganga bonganga yabo santo. Pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu. Poeteto pesa bambeka elimo ekosepesa nzambe. Et cela par Jésus-Christ. Peyango nanzela Jésus Christo. Et surtout le verset 7 de 1 Pierre 2. Mingi mingi nzela botangi sambo ya moko petelo mbale. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Lokumu na bino baye bojali kondima. Voyez que le Seigneur botala ite nkolongo est en train de glorifier ses croyants. Yazali ko kumisa ba ndimi na ye. Qui sont des pierres vivantes à son édifice à lui Dieu. Ba ye ba jali mabangango na bomoi na ndako na ye nzambe. Tous ses enfants sont des honorables. Bana ya nzambe nyonso bazali batona lokumu. Le monde ne nous connaît pas. Mokilebi biso te. Mais notre Père céleste nous connaît. Asi tata na biso ya lola ebi biso. Il dit l'honneur est pour vous qui croyez. Alibi lokumu na bino bandimi. Je ne sais pas comment tu peux manquer de dire Amen pendant que Dieu te glorifie de cette manière-là. Naibite, okozanga koloba amina, wana nzambe azali ko kumisa na lolenge lona. Tu
puisque avec le prophète d'Élie, lorsqu'il n'y avait pas des amen dans l'église, il était stupéfait, il ne pouvait pas bien prêcher. Et longo na mo sakoli na ikeke ye tango batwa ne ko ba menete akamwa ki pe ko ka ki pe ko te ate. Puisque même dans la Sainte Bible. Po ata kona Bible Sainte. Dieu lui-même dit amen à sa parole. Nzambe ye mei azolo ba amen na lioba na ye. Et lui-même il est l'amen. Pe ye mo konde amen ango. Il dit l'honneur est pour vous qui croyez. Abire kumu na bino bible zali kondima. Puisque vous êtes des pierres vivantes, posées sur l'édifice de Dieu. L'autre jour, nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Là où Dieu dit, vous êtes le temple de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu a trouvé bon d'habiter en vous. Nzambe, amonaki malamu ko vanda kat na bino. En tant que le temple de Dieu. Bino kozala ka temple ngona nzambe. Comment est-ce que nous devons nous sentir dans ce monde? Lingi kento ki komi yoka na katango kili oyo. Quand nous marchons. Tanto zali ko tambola. Même quand nous sommes au milieu des païens. Ata ko tango to zwami katika na bapagano. Tu n'es pas n'importe qui. Yo zali moto to moto kaka te. Dieu te dit que l'honneur est pour toi. Nzambe to bana yo lokumu na yo. Même si le monde te hait. Atako mokili yini yo. Mais tu es un honorable. Yo zali moto na lokumu. Puisque tu es bâti sur la maison de Dieu. Pote yo tungami na ndako na Nzambe. Et dans toi-même la maison même de Dieu. Kozalaka atako yo moko ndako ngo ya Nzambe. La maison de Dieu. Ndako ngo ya Nzambe. Est aujourd'hui réuni dans ce temple. Le loyo nakata tempelo ye yangana. La maison de Dieu. Ndakwango na Nzambe. Réuni dans ce temple ce soir. Yangana katna tempelo oy na pokwa. Construis-moi Seigneur. Tonganga inkolo. Joins-moi à ton édifice. Yingi sangai na katna ndako nayo. Je veux être cette pierre là. Nalingina jala libanga ena. Tu dois reconnaître ce que tu es. Yo singeye oyé banani ozali. Puisque beaucoup ne se reconnaissent pas. Bon, ba mingi ba mingi bité banani bazali. Ils ne se reconnaissent pas. Bami habité. C'est la fin. Ce gars du moins là. Il refuse même d'aller à l'église. Il y a beau qu'on attend l'église. Oh, j'ai faim. Oh, na juin zala. Je ne pars pas à l'église. Ok, dans l'église t'es. Oh, je n'ai pas d'habit. Na zangé lamba. Je ne pars pas à l'église. Ok, dans l'église t'es. Non. T'es. Tu ne comprends rien. Yo, ce sont les locaux. Mon côté. Toi, tu n'es pas de ce monde. Yo, zali, y a mobilité. Ayant l'argent ou pas, Ozoala, na mosolo tote. Même si tu es le pauvre des pauvres, ata kosoza mo bola ya babola. Avec Christ en toi, tu es le grand riche. Na Christo katna yo zali mozimo nene. Puisque un chrétien, pouete mo Christo, être chrétien vaut mieux qu'être un président. Kozala mo Christo, eleki kozala mo konta mboka. Édifié dans la maison de Dieu. Oya tonga mena ndako na Nzambe. Un enfant de Dieu. Mwana nanzambe. Comme nous avions lu concernant le premier temple. Le quoi totanga ki na o etaleli tempelo yambo. Le temple de Salomon. Tempelo na Salomon na Salomon. Dans 2 Chroniques au chapitre 7. Na mbali batango mokapo mwa misato ya sambo. Après la dédicace de ce temple là. Na sima yabo bulu ici ya tempelo ena. La Bible nous dit que la gloire de Dieu remplit ce temple. Et tondaki na katia temple ena. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 7. Na katsi na badang mibale moka pour moi sambo. Nous pouvons lire cela. Tokotanga ngo. De Chroniques chapitre 7. Mibale batango moka pour moi sambo. Lorsque Salomon y achevait de prier. Donc, si mana Salomon a go bulisa tempelo. Le tout premier verset. Utanja botanga yambo. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Chapitre combien? 7. 2 Chroniques 7. Depuis le tout premier verset. Le premier verset. OK. 2 Chroniques 7. Oui, oui, OK. Lorsque Salomon y achevait de prier. Wana Salomon a ici, saka yeko bondela. Le feu du ciel
le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Quand cette gloire remplit la maison, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Cela n'était pas caché. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Et la gloire de l'Éternel sur la maison. Qui pouvait encore se tenir debout? La Bible dit, ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ils étaient là. Ils louèrent l'Éternel en voyant la gloire qui était descendue sur sa maison. Cette maison, plus tard, fut détruite. Nous avions lu l'autre jour dans Esdras. Comment, sous le roi Cyrus, qui avait fait l'ordonnance, les enfants d'Israël, seulement ceux qui étaient des Juifs, pas tout le monde, ils quittèrent pour aller rebâtir la maison. Et ils étaient tous comme un seul homme. Ils allèrent pour rebâtir encore la maison. Ce dont Dieu réveilla l'esprit. Ils se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem. Car Nebuchadnezzar avait placé ça dans la maison de son dieu à lui, son dieu païen, son idole. Là, nous sommes dans Esdras 1, versets 1 à 7. Seulement ceux qui étaient du peuple de Dieu allèrent pour bâtir la maison de Dieu. Pas tous. Seulement ceux qui étaient peuple de Dieu. Puisque cette maison ne peut pas être bâtie par des païens. Et c'est une maison qui a des conditions. Ce sont seulement les saints qui bâtissent cette maison-là. Les païens, eux, font tout pour empêcher. Les démons font tout pour empêcher que l'édifice ne soit pas bâti. Mais si Dieu ouvre la porte, qui peut la fermer? Si Dieu est pour toi, qui peut te combattre? Ceux qui étaient le peuple de Dieu,
Ils allèrent pour rebâtir la maison de Dieu. Et le prophète âgé qui écrit, qui dit, et le prophète âgé qui écrit, qui dit, dans âgé chapitre 2, dans âgé chapitre 2, verset 8 à 9, il dit, alobi, ainsi parle l'Éternel. Bouye lobi, yawam. L'argent est à moi. L'omeya lozali angai. L'or est à moi. Olo pezali angai. La gloire de cette deuxième maison. Kembo yanda kombale oyo. Que vous venez de me bâtir à Jérusalem. Obo uti kotongelanga na Jérusalem. Sera plus grande que la gloire de la première. Et kozala monene koleka kembo elboso. Nous étant la maison de Dieu. Bisho ko saka nda kongana nzambe. Aujourd'hui. Leloyo. Jésus. Yesu. Avant de quitter la terre. Simanaye ko bimana mokile. Dans Jean 14. Na yoani jomi aminei. Verset 12. Zebotangi jom na mibale. Il déclara. Alobaka polele. Fera les mêmes œuvres que je fais. Et comme je m'en vais maintenant au Père, il en fera davantage. Davantage. En plus grand nombre. Et belé. Car tout ce que vous demanderez à mon Père, Nzambi, nyonso boko senga na tata na kat na kombo na ngai. Nous sommes au verset 13. Tozali na nzela botangi zomi na misato. Je le ferai. Na kosala kango. Pour vous les honorables. Pona bino batuna le kumwa. Tout ce que vous allez demander. Manso o bino boko senga. À mon nom. Na kat na kombo na ngai. Je le ferai. Na kosala kango. Tout. Nyonsoa. Là, tu n'as pas à te faire des soucis. Puisque lui-même se soucie de toi. Et tout ce que tu vas demander. Nyonsoa yoko senga. Toi le croyant. Yo mundimi. Puisqu'ils ne sont pas nombreux qui croient. Et belé bandima kate. Nombreux sont les soi-disant croyants. Et belé bazali lokola bazondima. Mais les croyants véritables. Kasi bandimi ya solo solo. C'est vous. Ezali bino. Tout ce que vous demanderez. Nyonso boko senga. À mon nom. Na kati na kombo na ngai. Je le ferai. Na kosala ngo. Pour que les mêmes œuvres que j'ai fait. Pour te misala moko moko na zo sala. Vous puissiez continuer à le faire en grand nombre. Boko ka na kokoba na kosala ka ngo mingi koleka. Qu'il y ait une continuité. Ezala ezwama bokobi moko. Car je suis vivant. Nzambi nazali na bomoi. Je suis avec vous. Nazali longo na bino. Et je serai même en vous. Nako jala atako katina bino. Tous les jours. Mikolo miso. Jusqu'à la fin du monde. Kino na suka ekeke. Ne vous plaignez pas. Bino bomi tungisa mate. Ne vous en faites pas. Bomi tungisa mate. Ne vous faites pas de soucis. Bomi tungisa mate. Car je me soucie de vous. Nzambi na mitungisi ngamoko pona bino. Je n'ai pas beaucoup d'enfants sur la terre. Nazui pa nebelete awa na mokili. Je n'ai pas beaucoup. Nazui pa nebelete. Vous êtes très peu. Vous allez moquer. Je me soucie de vous. C'est vous qui êtes ma maison. Bino nde bozali ndako na ngai. Vous êtes des pierres. Vous allez mabanga. Précieuse. Ya talo enene. Sur mon édifice. Likolo ya boboko na ngai. Ne vous souciez de rien. Bomi tungisama pona eloko moko te. Reposez tous vos soucis sur moi. Bo bakamisa mitungis na bino nyonso likona ngai. Dans la prière. Na kati na mabondeli. Dans le jeûne. Na kati na bokili. Puisque quand vous êtes en prière. Bo wana bo zwami na kati na mabondeli. Vous êtes en train de causer avec moi. Bozo solo na ngai. Vous me présentez vos besoins. Bozo tatsa ngai babo senga na bino. Alors que je les connais tout. Atako na yebi yango nyonso. Vous me présentez vos besoins. Mais, à
mon tour. Nangai nangai. Je ne vous donne pas seulement ce que vous demandez. Nako pesa bino kakate yango boko senga. Mais je donne même au-delà. Nako pesa bino yango nakoleka. De ce que vous demandez. Koleka oyo bosengi. Car c'est vous. Nzambi bino nde. Qui avez accepté ma parole? Bon, dimaka yoba nangai. Et surtout dans cet âge. Ah tako mingi mingi nakate kekeye. Nous sommes fiers. Tozali bato na parce qu'il y a deux générations spéciales sur cette terre. C'est la génération qui avait vu la première venue. Et nous qui attendons aujourd'hui la seconde venue. C'est nous qui verrons la seconde venue. Il n'y a pas une autre génération après nous. Tous les signes bibliques, du temps de la fin, nous les voyons. Et Dieu Benzambe, qui nous dit que l'honneur est pour vous, il a vu comment cette génération est une génération pleine d'incrédulité. Quand Dieu a parlé, d'Élie de Malachikat. Na Elia Malakia mini. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté cela. Montonyo sote nde ya ndimaka yango ayambaka yango. Nombreux disent être croyants, mais ils ne peuvent jamais mentionner Malachi 4 dans leur prédication. Mingi balobiete bazali bandimi bakokite sokomokeko tanga Malachi ya mini na kata matia na bango. Ils n'en parlent plus. Balobela kango susute. Quand ils ouvrent la Bible, ils arrivent à Malachi 4, ils passent. Ceux qui ont fait la Bible, ils ont fait Malachi 4. C'est comme ceux qui se réclament être croyants du message. Ils ont fait la Bible, ils ont fait la Bible, ils ont fait. Mais qui passent outre Matthieu 24, 45 à 47. Quand ils ont fait la Bible, ils ont fait Matthieu. Jomi na tukumbale na minei nzabotangi tuku minei na mitano kino tukumbinei na sambo. Et aussi disent qu'ils sont croyants. Bangope balobiete bazai bandimi. Et aussi se réclament être l'épouse. Bangope bazo tato la ete bazali mwasi yango libala. Certains déclarent même que l'enlèvement a déjà eu lieu. Bamoko balobia tako linieto alisi li salama. Ils étaient partis depuis 1963. Bango uta 1963 basi bakenda o. Quand ils lisent Matthieu 24, wana bakotanga matai tukumbale na minei. Concernant les serviteurs fidèles. Kotela ka mosayango ya sembo. Et prudent. Pe ya bokingi. Celui qui distribue la nourriture. Yo azako kabola kabola bilei. Aux domestiques de Dieu. Pour que ces domestiques puissent aussi distribuer la même nourriture aux brebis. Quand ils lisent, ils ne voient pas ça. Ils ne comprennent rien. Et ils critiquent même ce ministère. C'est parce que ils ne sont pas prêts pour monter avec Jésus. Ils ne sont pas prêts. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils sont déjà partis en esprit. Ils disent quand nous étions dans les dénominations, nous étions dans nos tombeaux. Quand nous sommes sortis des dénominations, c'était cela la résurrection. Et il meurt encore. Et ils s'enterrent les uns les autres. Les moustiques les piquent comme ils piquent tout le monde. Mon frère, ma soeur. Souvenez-vous ce soir. Bon, mi kundole la na pourquoi lelo? Que
que c'est précisément l'église couronnée. Et ali na bo siki ecclesia oyé tiami montolé de la doctrine des 12 apôtres. Na lilaki siango yaba ntoma zomi na mibale. C'est précisément de cette église là. Kaka ecclesia ina que naîtra le fils mâle. Nde utaye mwana ngwa kemba akobotama. Cette église est une troupe de vainqueurs. Ecclesia ye ezali lisanga na balongi. Il y a une troupe de vainqueurs qui est destinée à croire la parole de vérité. Ezali na lisanga na balongi moko oyo. Ebongisama yambo pona kondima lilo bango na bo solo solo. Et à faire confiance en Dieu. Pete bachile nzambe likia. Et à être ajusté par Dieu lui-même, ajusté dans son église. Peba koka komi ko yingi sama penza penza na nzambe moko na kat eklesia na ye. Afin d'être là, oui, tu passes à la wana, comme le temple de Dieu. Lokola tempelongo na nzambe. Voilà pourquoi tu n'as pas à te regarder à toi-même. Netenango yo ozui mutumisi te ya komita na kayo moko. Regarder à tes fautes. Na bambeba na yo. Regardez à tes manquements. Naba mbeba na yo. Ou bien regardez à celui-ci, à celui-là. To na oyo to wana kuna. Ne regarde pas aux autres. Kota la basusute. Ne te regarde pas. Komita la pete. Regarde au Seigneur. Tale na nkolo. C'est lui qui t'a appelé ici. Yenda bianga kio awat. C'est lui qui est le vrai potier. Yende moye mia solo. Jérémie avait regretté en son jour. Quand il vit un potier qui avait fait tomber son vase, le vase s'était brisé en morceaux. Il essaya de refaire la chose en vain. Vous voyez mes frères? Moi et toi. Yonangai. Si nous faisons tomber un vase. Sotoko ici mbeki moko. Et ça se casse. Et panzani. Notre réaction. Toko salani. Notre réaction c'est de jeter ça à la poubelle. Toko bwakango na ekunde. Il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Pour nzana na biso ezalaka bongote. Lui il est le vrai potier. Yende moye mia solo solo. Lorsque le vase se casse en morceaux, tango, meke kui, e bukani, e panzani, il ramasse les morceaux yako, yanganisa, biteni, pour refaire encore cela. Poete, asala ango li susu, il fait avec ces morceaux-là ako salela, na biteni un nouveau bina. Récipient. Un nouveau mbeki récipient. Moko ya sika. Formé avec des miettes qu'il a ramassées. Oyo, ye mami na babiteni, oye alokotaki. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, yo. Que le Seigneur a bâti. Oyo, kola tongi. Pour être sa maison. Ozala ndako na ye. Si tu échoues ici ou bien là-bas. Soki okoye yo, kakimi awa tokuna. Dans ta vie. Na bomo ina yo. Remets-toi seulement au Seigneur. Yo, mizongisa bobele na nkolo. Pour qu'il fasse de toi une nouvelle masse. Pour être à Salanayo et Bolo Yasika. Une pâte glorieuse. Et Bolo Yasika, Oyo Yankembo. Et que finalement. Pétera Souka. Que tu deviennes un vase à sa gloire. Oko Mambeki Moko Pona Kembo Nae. Et sous la puissance de son esprit. Penase Yanguya Elimonaye. Oui. Iyo. Nous sommes des vases. Vous allez m'embêter. Des vases préparés à être remplis. Bambekiye, bongisami poete tondisama. Du contenu divin. Na oyo zane kat na nzambe. Et être là à la gloire de son nom. Poete kozala wana pona nkembo ya kombo na ye. Oui. Iyo. Son écriture nous dit. Est-ce que l'on tombe pour ne plus se relever? Voilà pourquoi. Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Lui qui est le puissant vainqueur. Yo azali molongi na nguya. Le vainqueur de Golgotha. Molongi na Golgotha. Il avait vaincu le péché. Yalongaka lisumongo. Il avait vaincu les démons. Alongaka minu mabe. La mort. Kufango. Le séjour des morts. Esika, et il est vivant d'éternité en éternité. C'est lui qui t'a fait. Yende asala ya tonga yo. N'aie pas de soucis. Le Seigneur se soucie de toi. Nkolo ami tungisi pona yo. Il est lui-même celui qui se soucie de toi. Ye mokonde ami tungisa makapona yo. Il est celui qui te conduit à bien. Il conduit à bien son œuvre. Avec son église que toi tu es. Lui seul. Qui a commencé l'œuvre. Lui seul. Va l'achever. Il n'a jamais abandonné les siens. Il est avec nous. Et nous avons le privilège de faire partie de cette troupe qui est revenue revenir, oui. Après avoir entendu sa voix. Sima na yango koyoka mungongo na ye. Comme on avait dit aux autres. Lokola baba kina basuso. Jérusalem. Bozonga na Jérusalem. Nous aussi nous avons entendu la même voix. Isimoto kaya mungongo moko moko na. Qui nous ramène aux Écritures. Eko zonza zonza ma komi. Qui nous ramène à la fondation. Eko zonza zonza mo boku ango. Qui a été posée à Jérusalem. Oye baka misala ki na Jérusalem. La vraie doctrine. Il a qui s'y a solo solo. De la Bible. Y a Biblia. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ramener à la même parole. Pas à la falsification. Pas à la discussion. Pas à l'interprétation. Mais ramener à l'écriture. Les enfants d'Israël, ils revinrent avec joie. Banana Israël, bazonga kiwana, ilongona isengo. Aujourd'hui, Yeropelkola. Tous vont à Rome. Bansu ba okena Rome. Mais nous, bisolo, nous allons à Jérusalem. Tokena Jérusalem. À la parole. Na lilo bango. À la doctrine biblique. Na lila kisi yango ya Biblia. Aux enseignements des apôtres. Na mala kisi na bon toma. Croyant que nous sommes des pierres précieuses. Posé sur cet édifice de Dieu. Likolo ya ndako ya Nzambe. Et nous n'avons pas à nous faire de soucis. Tozuite loko ya komitungisa. Car il prend soin de nous lui-même. Nzambi ye moko akozwa bozo na biso. Et Pierre nous dit. Et Peter lobi na biso. Toujours dans notre écriture d'introduction d'un Pierre 2. Na likomi ya nkote la. Verset 9 à 11. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Est-ce que je m'adresse au peuple de Dieu? Vous qui n'étiez pas un peuple. Vos ancêtres adoraient des idoles. Chaque tribu avait ses idoles. Kabila na kabila ekeko nango. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Bino baye kala kala bozaka libota te. Et qui maintenant Bino, mais kasi sikawa. Êtes le peuple
de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimé, je vous exhorte. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous êtes puisque le diable, il fait tout. Comme il combattait les enfants d'Israël, qui ne construisirent pas la maison de Dieu, le même diable, le même démon combattent les croyants aujourd'hui pour les ramener dans le monde, pour les ramener dans la chute, dans l'incrédulité. Mais l'écriture est claire. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Soyez courageux. Persévérez. Que rien ne vous arrête. Malgré les épreuves. Prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Oui. Reconnais ce soir. Que toi, la pierre vivante, posée à l'édifice de Dieu, la victoire de Golgotha, c'est ta victoire aujourd'hui. Et Satan te connaît. Puisque celui qui est en toi là-bas, Jésus, il est plus grand que le diable qui est dans ce monde. Oui. Tous les sorciers qui travaillent là à la société où tu es, ils se disent entre eux, cet homme, cette femme ne va pas à l'église. Pour adorer Dieu. Il a des fétiches. Il est un grand sorcier. On ne sait pas quelle magie il a. Nous pouvons nous jouer de tous. Nous pouvons, nous. C'est ton Dieu qui parle. Mais lui. Mais elle. Yeah. Une fois que tu songes, kaka soki o sali moi o loti moi muke pour lui jeter un mauvais sort, o bwa ke la ye mamba sutelo mamba au même moment, kaka na tango moko moko na, tu sens la douleur sur ton corps, o koka bolozi na nzoto na yo. C'est comme quelqu'un qui t'a donné un coup. Eza lokola ya moto moko apesi yo ebotu. Oui, iyo les démons ilo mabe tremble devant Jésus Christ. Zali kolenga liboso na Jésus Christ. Toi, tu as déjà avalé Jésus. Jésus. Il habite au-dedans de toi. Avandi katina yo. Le jour de Pentecôte, la maison où furent réunis les disciples fut aussi remplie de gloire. Le feu moto se subdivisa en petites langues de feu. Et tous furent remplis de la puissance d'en haut. C'est la même puissance qui remplit cette église aujourd'hui. La même puissance qui était descendue le jour de Pentecôte. Le même Saint-Esprit. C'est le même esprit que tu as reçu. Voilà pourquoi tu peux appeler Dieu mon Dieu, mon Père céleste, Abba Père, Abba Tata. Il est ton Dieu. Tu es son fils. Tu es sa fille. Oui. Tu dois accepter les privilèges que Dieu te donne.
Tu ne dois pas t'oublier toi-même. Et c'est te omi bosana na nyozali. Non. Tete. Le fils d'un chef. Moi na mokonzi moko. Même quand il marche. Ah ta kotango zali ko tambola. Mon papa est le président de ce pays. Tata nanga zali mokonzi. Mon papa est le roi de ce royaume. Papa nanga zali mokonzi ya bokonzi. Mais toi. Kasiyo. Le fils du roi des rois. Mwana yankumu yabankumu. Le fils du chef des chefs. Mwana yamokonzi nabakonzi. Le gouverneur des gouverneurs. Ntoma likoba ntoma. Le président de tous les présidents. Mokondi likolo yabakondi banso. Voilà ton père. Tala yende tata nayo. Avec tes genoux seulement. Nama bolongo na okaka. Quand tu t'agenouilles. Soko betiango. Et tu lui demandes quelque chose. Osengelo komoko. Et foi. Et foi. Bango bazo mona. Et foi. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Pe kondi mango. Oh non. Ok. Lisons l'écriture. Marc 11, 22. Tout à l'heure, comme Malak, zom na moko. Tuku, mi. Zabotangi, zom na mbale. La Bible dit. Il le lobby. Jésus prit la parole et leur dit. Yes, je vois qu'il le bape, alors qu'il n'a pas encore. Ayez foi en Dieu. Bonjour, qu'on dit ma quatre nanzam. C'est ce que je disais. Et seulement la foi en Dieu. Soit qu'à qu'on dit ma quatre nanzam. Quand tu as demandé quelque chose, tango au singelo komoko, tu as déjà cela. Aussi que soyango kala. Par la foi. Nanzela, ya qu'on dit mango. Même si tu ne reçois pas ça aujourd'hui, attention qu'il y a bien beau le loté. Cela viendra demain. Et quoi y a lobby? Si demain tu n'as pas cela, Soki, lobby, cela viendra dans deux jours. Na, mikomi balé, koya. Dans une semaine. Na, kosomoko. Même dans un mois. Ata, sans amoko. Même après une année. Ata, kosima, mo, bu, moko. Mais dans ton cœur. Na, mo, tema, na, yo. Crois que tu as la chose. Dima, et telo, kwa, no, si, ko, zwango, kala. Si ton fils Soki, mwana, mo, bal. Qui t'a demandé 15 cahiers. Wa, kiyo, ba, kaye, zomina, tu as acheté les 15 cahiers. Osomba, ki, ba, kaye, zomina, mitan. La boîte de crayons de couleur, tu as acheté. Boîte de crayons de couleur, au sombre la guillet. L'uniforme, tu as acheté. Uniforme, au sombre la guillet. Tous les trousseaux. Biloko nyonso. Tu as acheté. Au sombre la guillet. Si toi, ce qui, un homme, moto, qui a des manquements, ou ya zuiba mbeba, qui sollicite tous les jours la grâce et la miséricorde de Dieu, tu peux donner des bonnes choses que ton enfant a demandé. L'écriture qu'on a vue ici, d'Agé 2, 8 à 9, surtout le verset 8 où il dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Palata ezali yangai, olo ezali yangai. C'est ton père. Ezali tata nayo. Qui dit que l'argent est à lui. L'or est à lui. Palata mpe olo ezali yaye. Quand toi tu demandes. Tango ezali ko senga. Lui il a un dépôt plein de tout ce dont tu as besoin. Ya zui e bomba melo meke ya biloko binso yo zui bo senga nango. Lorsque toi tu lui demandes, crois dis-moi que tu as déjà la chose. Si tu conçois et l'eau quoi, beaucoup de gens manquent de foi. Bah tu es belé, bah ça qu'on dit. Il faut avoir la foi. Et c'est qu'il conçoit qu'on dit. Car selon la Bible, Zambi, Pelamoko Biblia, nous sommes les possesseurs de toutes choses. Totali basangoli yabiloko binso. Quoi que ce soit. Atako nini. Tout. Nyonso. Tout est à nous. Nyonso ezali ya biso. Tout c'est pour nous, la maison. Nyonso ya biso, d'accord. La maison de Dieu. Biso ndako ya Nzambe. Nous les enfants de Dieu. Biso bana ya Nzambe. Nous les pierres précieuses. Biso mabanga na talo. Que Dieu a utilisé lui-même. O Nzambe moka saleli. Pour bâtir sa maison. Po atonga ndako na ye. Que nous sommes. Oui, tout jali. Oui. Yo. Oh, ces gens qui vivent sur ta rue. Bateau, bavan na kana baba na yo. Ceux qui vivent sur ta rue. Oh, bavan na kana baba na. Ils ont la chance de voir
la pierre vivante de Dieu. Voilà pourquoi il se pose la question. Nous tous nous allons à nos églises. Mais monsieur tel là. Ah, madame tel là. En tout cas, ces gens, leur vie, ils nous dépassent. Oui, nous les dépassons. Parce que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ lui-même qui vit en nous. Mon frère, ma soeur, quand nous disons à Dieu, construis-moi Seigneur, joins-moi à ton édifice Seigneur, croyons qu'il l'a fait. Il l'a fait. Puisque nous croyons tout ce qu'il dit, je vous enverrai Élie le prophète qui viendra rétablir toutes choses. Nous avons dit Amen. Je vous enverrai le serviteur fidèle et prudent qui va distribuer la nourriture au temps convenable. Nous avons dit Amen. Et tous les jours, nous mangeons. Mon frère, ma soeur, tu es quelque chose sur cette terre. Yozali eloko bemutuya na mukilawa. Tu n'es jamais un abandonné. Yozali te moto asundola makabo. Non. Eh. Tu es quelqu'un. Yozali motomoka mutuya. Tu es quelqu'un. Yozali motomoka mutuya. Puisque même le ciel te connaît. Oh, atakoba lola, yebio. Le ciel te connaît. Lola yebio. Tu n'as pas acheté des sacs scolaires à tous les enfants de ta rue. Yo osombeli bana nyonso ya balabala yo fanda ka sakite hein. Tu as acheté à tes enfants. Osombeli obele bana na yo. Ton Père Céleste aussi. Ton Père Céleste connaît tes besoins. Comme tu as le souci pour tes enfants, lui aussi a des soucis pour toi. Il veut te conduire au ciel. Il veut que là où il est, tu puisses y être toi aussi. Alingi, est-ce qu'il y a Zali, Yope, Okoronza, la wana loko là. Tout ce qu'il promet, il l'a toujours accompli. Il ne promet jamais de mensonge. Dieu ne dira jamais un mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir. Comme il se soucie de toi, accroche-toi à sa parole. Repose-toi sur sa parole. Et n'oublie pas de lui parler. Lui parler. Pas seulement ici à l'église. Même dans ta chambre. Parle à ton Père Céleste. Il veut t'entendre en train de lui parler. Puisque tu es son fils. Tu es sa fille. Il t'a appelé ce soir que tu es l'honorable de Dieu. Une race élue. Un peuple saint. Des pierres vivantes. Posées sur l'édifice du Dieu vivant. Dieu te dit que tu es quelqu'un de grand. Puisque le nom que tu portes de Jésus-Christ, en tant que chrétien, tu es un grand. Oui. Prix du néant. Prix du néant. Yo ozomi utam pamba, bon pamba. Il t'a donné un nom. Après yo kombo moko. Plus grand que les noms des grands. Des chefs de ce monde.
Kombo wana eleki monene koleka bato ya minene ya mokili oyo. Le nom de chrétien. Kombo ya mokristo. Chrétien signifie qui est semblable à Christ. Mokristo elaki si wakoka na Christo. Construis-moi Seigneur. Ah, tonganga inkolo. Je suis ta pierre précieuse. Nozali libanga na yo motuya. Construis-moi sur ton édifice. Yo, tonganga inandako na yo. Oui. Iyo. Il a accepté ta prière. Ye, andimi libonde na yo. Et il t'a posé. Pe abaka misio. En te donnant son esprit. Opesaka yo eli mwango na ye. Comme il avait donné à ses disciples. Donc la pesaka na ba yekol na ye. Dans la première église. Na eklesa yambo. Puisqu'il ne change pas. Yeah. Il est le même hier. Azali moko, aujourd'hui. Lelo, et éternellement. Libela. Une maman qui allait. Maman moko azali konungisa. Peut dans une certaine circonstance abandonner son bébé. Akoki na mo ntango moko asunduli monungi na ye. Surtout en temps de guerre. Mingi mingi na ntango yetumba. Mais l'Éternel te dit. Kasi yawe alobi na yo. Moi je ne t'oublierai jamais. Nako bosa na kosoki mokete. Puisque je t'ai déjà gravé. Poete na sina ko ngulu ta yo. Sur ma main. Likolo na loboko na ngai. Jésus dit. Yesu alobi. Personne. Moto mokote. Ne pourra les ravir. Akaiko botola bango. De ma main. Uta loboko nangai. Amen. Ezala bongo. Personne. Moto mokote. Tous les démons. Mino wabe nyonso. Tous les démons. Mino wabe nyonso. Méchants. Yankanza. Venant d'un enfer brûlant. Utaka na lifelo likopela. Tous. Nyonso. S'incline devant le nom de Jésus. Bakongoma mutu liboso ya kombo na Yesu. Comme tu as Jésus. Lokwa Yesu Yesu. Tous ces démons là. Mino wabe nyonso wana. Tremble devant toi. Puisqu'ils n'ont pas de force sur toi. Puisque tu n'as rien en eux. Yo. Yo. Aux yeux, loko mokote ya bango tu n'en vis rien dans yo. Les démons. Rien. Tu n'en vis rien. Toi, tu as déjà gagné le ciel. Yo sila kozwa lola. Tu as déjà gagné le ciel. Aussi la cause lola. En recevant Christ dans ton cœur. Na koyambaka Christo na motema na yo. En acceptant sa parole de vérité. Na koyambaka lobana ya bosolo. Cette vérité qui a franchi tous les hommes. Bosolo boyeboko kangola ka moto nyonso. Cette vérité qui tire l'homme du cachot du diable et des démons. Bosolo boyeboko benda ka moto uta boloko ya satana miluma be. Le diable est sans force devant toi. Mais il est seulement audacieux. Azakaka na kwa sabana boudin. Pour essayer de te tenter. Pour mekana ko senginya yo. Mais jamais. Car c'est soko mokete. Jamais. Soko mokete. Dieu ne permettra. Nzambe akopesa nzela. Que tu sois tenté au-delà de ta force. O sengeni sama likolo ya bokasi na yo. Puisque avec la tentation. Wete na bosengini. Dieu préparera toujours un moyen. Zambe, à comment c'est le langage moko, obima uta yango. C'est quand tu prononces le nom de Jésus. Et akatango, olobi komona Yesu. Le nom du salut. Komona lobiko. Le nom de toute puissance. Komona nguya be. Le nom de la délivrance. Kombo nabo kangola le nom de la guérison. Kombo nabo le nom de la bénédiction. Komona lipamboli. Oh toi pierre vivante. Oh yo libanga na bomoi. Sur l'édifice vivant. Likolo na maboko na bomoi. Sois béni à jamais. Yo pambola ma lip. Que la gloire, que l'honneur, que la louange revienne à notre Dieu qui a fait de nous des pierres vivantes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ezala bongo. Kembo, oya kembo, na lo biko, yepana yeso, alleluia, 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 yembangu yan kembo, oya Amen. 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 Am
Et tu es pierre morte ou vivante? Si tu es pierre vivante, laisse-toi être enserré dans la maison de Dieu, demandant lui-même qu'il fasse de toi une colonne dans le temple de son père, et tu sois construit sur la pierre angulaire qui est vivante. Prions. Thank you.
Chacun d'entre nous étant une pierre. Des fois, des fois, les pierres sont ramassées de différentes formes. Mais il fallait que, donc il faut que la pierre soit entre la main du constructeur. C'est le constructeur qui saura la tailler. Pour donner à cela la forme que doit avoir toute pierre. Chacune des pierres s'engueille cause la forme. Chacune des pierres doit avoir sa forme. Nantinate eko kakokoto nakatia tempelo. De manière à ce qu'elle soit jointe dans nakatia édifice. Dans l'édifice. Nakatia maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Qui est construite de pierres vivantes. Le prophète Nam disait, oh, quel privilège d'être pierre. Quelle utilité d'être pierre. Et n'étant pas dans la main du constructeur. Parce que c'est le constructeur qui te donnera la forme. C'est lui qui t'édifiera. C'est pourquoi c'est ainsi, le constructeur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tomitika par la foi. Pardonne-nous par la foi. Entre sa mère. Qui nous taille. Par sa parole. A façonné biso. Qui nous façonne. Nanjira di Obanaye. Par sa parole. A modèle biso. Qui nous modèle. Nanjira di Obanaye. Par sa parole. Et nasima nanjira di musantu naye. Et ensuite par son Saint-Esprit. A kuingi sabiso na tempelo. Il nous introduira dans le temple. Prions encore que Seigneur ngayo nazali banga. Papa ngai taye ngai na di Obanayo. Taille-moi. Dongola bompamba na vina ngai. Oto tout ce qui est vain dans ma vie. Ainsi, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Toko bondela. Ton prière. Oh, libanga. Souvent de moi, si c'est fait, tout sous cela,
Yo Jésus-Christ le Rédempteur, oubliez pas qui, voyo, vous en avez. Oubliez pas qui, je peux voir toute sanctifiée. Vous en avez été, vous menez n'importe qui. Non, non, Seigneur, oubliez pas qui, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes au corps, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Yes, so piano. Stop. Amen. Soit à mon amour, papa, vous tenez, façonnez, taillez. Pour tout le monde, Seigneur, la terre de Et tes cheveux réduits à ce qui vaincra, qui retiendra ce qu'il a, c'est-à-dire la parole. Oui, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. Maison de son Père, c'est l'Église. Oui, ce que le Mogorabiso, c'est le monde. Oh, mon Seigneur. Yo, moi, je suis David. Motombi à Tempero. Le constructeur du temple. Tous allez pe Tempero Nayo. Nous sommes également ton temple. Tempero Nayo, bien habité Tempero et Tata. Ton temple est appelé. Oui. Mais je demande que toi-même tu oignes sangai na kati ya tempero yango que tu m'insères dans parce que ce qui na ingelinde na yo et parce que si tu me fais entrer alors na kobi mali susute alors je ne souhaiterai plus de là tokobonde oncha kolo o sangai na kati ya ndaku na tata na yo Katina ndako yangu ya nzambe. Oshala na moko ya babona mi ya babianga mi. Moko na moko ya babiki. Moko na moko ya basikula mi. O nzambe. Ibanga. Kaka teme lisu likonji. Likonji moko. Pe. Yodo sala kama kunji yangu. Iluya. Nous apportons
Katina, di bondeli, toujours présenté. Dans la prière, nous présentons. Et si ma commande là. Après avoir prié. Ce n'est le béton du maté. Il nous faut croire que. Nous l'avons reçu. Et nous lèverons s'accomplir. Qu'attend ce qui est de recevoir. Tout cela que nous l'avons déjà reçu. Mais nous étions comme nous. Quand on sait qu'il y a de voir. Attends, même si nous ne voyons pas. Mais nous le verrons s'accomplir. Dans prière. Chacun d'entre nous. Et que le Seigneur accorde la gloire. Lorsque je vais demander dans la prière, je crois que je l'ai déjà reçu. Tu m'as déjà fait ce que je t'ai demandé et je le ferai s'accomplir. Dans prière. D'avance, avant même la commission. La commission pour la sera qui conçoit, oui, en bas. Yango na senga kio, katna li bonde. Oye, tika li bomble komono. Alléluia. Merci Seigneur. Tomieba anantu sai. Depuis 2 ans, je demande aux autorités mutation. Si dans la ville de Kinshasa, c'est l'une des soeurs. Pour raison de regroupement familial. Alors que alors que ce dossier est sur le point d'entrer dans le bureau du directeur pour être signé par un agent inconnu, mal intentionné, il tire les dossiers de là. Il enlève cela du signateur. Il tire cela du signateur. Pour qu'il m'exige de l'argent. C'est dans cela que je demande des soutiens dans la prière des saints. Et que pour que le Seigneur m'aide. Pour ce dossier, il a vraiment signé puis commission d'affectation pour que le dossier soit signé et que la commission d'affectation les démons qui tirent le dossier alors
tika esuka. Et cela arrête. Va signer. On signe ces dossiers. Toko bonde. Nous allons prier. Jambe tata na kolo Yesu. Yonde mususu azate. Kolo. Erona senga kite ekukoma ngai tango bakuyamba ngai mituna mia pamba pamba te ebele bele ya mituna te mituna ya mitambo te mituna ya complication te nyoso eleka ndenge yo moko mituna kuna senga. C'est pourquoi, Seigneur, c'est la grâce. Grâce. Débouana, pour pas me dire un mot, agis maintenant, c'est ma grâce. Pourquoi là? Nous sommes les soutenus de mon moment. Volonté, tata, et pour que ça m'attende à moi. Nous voulons t'entendre. Nous l'avons vu. L'honneur est pour nous qui nous qui sommes croyants, nous avons un honneur devant le Créateur, devant le Sauveur, devant le Rédempteur. L'honneur est pour vous, pour nous, pour toi, pour moi, nous qui croyons. Croyons et nous verrons la gloire de Dieu. Croyons et nous serons honorés. Honorés par l'honorable Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous demander qu'il nous accorde encore la foi. Pour que te perdre était un tel honneur. Et nous ne perdions pas le kumuya nengoyo. Nous allons prier. On jambe bakisranga kondima. Bakisranga kondima. Parce que kondima ya honoré na yo moko. Et puis et qu'on pense à un honneur. Et ce jour-là, ô grand Dieu, les aïomé, ô koti kabiso bongote, non Seigneur, oui, ô koti kabiso bongote, ton dimiango, oui, Tokozala honoré, Tokozwa ba éloge. Oui, Seigneur, natondi pe na komisio, Zambio okole kabas. Oui. Cela ce qui fait votre joie. Quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps. Cette tristesse par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, votre foi plus précieuse que l'or périssable, malgré que l'or est périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Maintenant, votre foi, après avoir éprouvé,
passer par l'épreuve. Et pour résultat, il y aura un résultat de notre foi. Cette foi éprouvée par le feu de persécution, de tribulation, de moquerie et de raillerie. Et finalement, elle aura un résultat. Et pour résultat, la louange. Kembo, la louange, Sanzoli, la gloire, Kembo, et l'honneur, et le kumo. Quand, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, Jésus-Christ, nous serons loués. Oui, frère, Toko Sanzo là-bas. Nous serons loués. Toko Sanzo là-bas. Nous recevrons de Dieu des éloges. Nous serons glorifiés. Toko Kembisa. Et nous serons honorés. C'est ça le résultat. La louange. La gloire. Frère, tu traduis bien. Le résultat, la louange du Saint-Joli. La gloire. Et l'honneur. Et le kumo. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des moqueries, des tribulations, etc. Mais ce matin, radieux du Seigneur, ce matin glorieux, quand tu reviendras, notre foi, à cause de toutes ces épreuves, aura pour résultat, devant le Seigneur, la loi, la gloire. Et l'honneur. Amen. Croyons. Et nous verrons tout cela. Et comment on a mansoman. Dès que vous singez dans des condombes, papa, comment on a courtement. Frère Bosengé, frère Ndombe viendront prier courtement. Merci. Et ensuite, nous allons séparer. Zambé, Tata Nankolo, Nabiso Jésus-Christ. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes et accordée. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, le rocher d'âge. Et que nous ayons un espace dans ta maison. Nous allons soit béni. Que le Amen. Président soit béni. Chabiso mabanga na katina katina ndako na yo. Fais de nous de pierre dans ta maison. Nous rentrons à la maison, Seigneur, rentre avec nous. Comme tu avais dit à ton serviteur, comme tu as parlé par ton serviteur, tu es venu nous parler. C'est quoi l'utilité d'être pierre et manquer son importance? Papa Bisso. Taille-nous. Modèle Bisso. Modèle-nous. Qui ne manquons pas d'espace dans ta maison. Et que nous soyons la colonne. Et que nous ne soyons plus jamais déracinés de là. Accorde la foi. Augmente-la. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu notre bien-aimé Père Céleste. Nous te sommes encore reconnaissants pour ta parole de ce soir. Croyons que tu as exaucé la prière de chacun de tes enfants. Une chose a attiré mon attention, c'est que le vase, quand il est brisé pour nous les hommes, c'est désespérant. Mais tout vase brisé devant toi, tu es capable de le reconstruire encore et de faire de ce vase même meilleur que ce qu'il était. C'est pour cette raison que tout rétrograde ici présent ne se voyait pas désespérant.
Mais qui te fasse confiance. Car tu es plus que capable de faire de lui encore un vase meilleur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis tous tes enfants, tes fils et tes filles. Bénis le berger de l'assemblée. Nous remettons à toi et à la parole de ta grâce. Reçois honneur, gloire et louange par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Et Alléluia. Et Alléluia. Nous pouvons alors nous rasseoir. Nous avons une nouvelle nécrologique que nous avons eue la fois passée. Mais Oya 12 ya sanza ya libwa donc simamo koloma lomingo de veye mortuaire e ko salama na lupango ya muwei loye lupango ngo luzwami na balabala baraka balabala baraka motango to numero Tuku mi mwambe na mwambe, 88 numero, na komine ya Kinshasa. Baraka numero 88, komine ya Kinshasa. Boye reference, pona kuyeba ilimbo ya Isikango, eza sima, parabala ina ikutami na sima ya batiman, ya komine ya Kinshasa. Boye... Mardi, nde ekozala bobimisami bwanda kwa mowei utanda kwa malili na hôpital de référence biangami mama yemo ana Kinshasa. Mpe bakuya ko expose yango afin de commémorer la Marita na église catholique Saint-Pierre où nous allons en face na stade 24 novembre ou bien Saint-Pierre la commune de à Kinshasa musikate na bâtiment commune balobi beaucoup d'amis de Bokolanda sima ya ko bimisango na kati ya tempelo wane ya katolike pona komema na malita makintambo boitobo sanate kolela irongo na baibaza kolela komunikeo yekuko zongerama mokolo na mokolo po tobo sanangote pona lelo na banza tosukiwa twana Degunabiso James C. Ya Kitwe na Zambi utuzaki na yawa Bokono bwa appendicite ekwisa kiye epui na balamoko decision izaki alikana lipaso et ba memaki na Lubumbashi be ba pasola kiye asira ki kobima uto l'hôpital aza convalescent pe azungiseli bandi miata boye ba kite
matondo pona mabonde lina bino peko senga lisusute boko bako tokoba lisusuko bondela po azala makasi pona kukoba na musalamu ankolo wala ndiye kwa lobi na zaliko pesa bande kubabali pebasi bambote na kombo ya kolo Yesu Kristo ngainde kuna bino ya mwasi Regine Kamalandwa nazali kusangira bino te na mokolo mwalomingo loyelo utikoleka kolo akamataki mulimo ya kutu na ngai ya mwasi ye ene kuto na famina biso na kombo ya Berthe Mwamba. Donc c'est Régine Kamalandwa yepe a na matanga na basango ena ya mawa ndeto sukisi na sepela ki remercie moyo to pesa ngombo kolo malumingo lelo to sukiwana zambe apambula biso.